été conçu par un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Etienne. D'accord, en 1989, elle est conçue pour aller donc, dans la glace faire ce qu'on appelle une dérive arctique. Quelle longueur il fait le bateau? On peut essayer de le mesurer hein, si on fait des grands pas comme ça en marchant à côté du bateau. 1, 2, 3, 49, 2, 42, 44. Moi j'ai fait 36, mais c'est parce que j'ai plus grandes jambes que vous, vous voyez. Et du coup, le bateau il fait 36 mètres de long. On va monter à bord du bateau? Oui. Allez. Alors combien de scientifiques on a à bord à peu près? 2, 7. Oh, il en faut six, plus que ça pour faire fonctionner la science. On a 6 scientifiques, ouais. Donc 6 marins professionnels, 6 scientifiques et un artiste embarqué et un journaliste aussi pour documenter ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau là autour de nous? On a des poissons. Alors sur Tara, on va parfois étudier un peu les poissons, mais c'est pas notre spécialité. Quelque chose de tout tout petit, aussi petit que le micro. Ah, les plancton. Oui, ouais. Le plancton. Les micro-organismes qui sont dans l'eau. Ici, on a un filet Bongo. Donc, vous voyez, là, il est tout attaché. Mais donc, au bout du filet, on va avoir un collecteur. Ok, collecteur pour collecter, pour ramasser, récolter des choses. Et donc, ce filet-là, en fait, on va le mettre à l'arrière de Tara. Ok, on va le traîner, le bateau va avancer. Et on va récupérer du plancton. Donc nous, on essaie d'adapter effectivement notre histoire, le récit qu'on va leur raconter pour qu'ils en retiennent quelque chose. Donc on va passer des plus petits, on sera plutôt sur la vie à bord, bien entendu. Et puis plus on va monter effectivement dans les classes et plus on va pouvoir rentrer dans des sujets un petit peu plus précis. Sur Tara, on a fait des missions autant en Arctique pour aller mesurer l'effet du réchauffement climatique sur la banquise, autant sur la biodiversité invisible, comme donc ce fameux microbiome marin que on vient de passer encore 2 ans à étudier, ou encore pour aller étudier le corail, les récifs coralliens. Et donc plus ils vont avancer et plus ils vont être capables de comprendre que tout ça est une machine unique et que l'un ne se sépare pas de l'autre. Et donc c'est un petit peu cette recherche qu'on essaye de leur expliquer plus précisément. Des gros plastiques dans l'océan, mais il y a surtout beaucoup de tout petits plastiques. Et donc sur Tara, on va aussi mettre un autre type de filet pour prélever ces tout petits plastiques. Donc le gros problème, c'est qu'en fait, si j'ai un poisson qui veut manger un petit plancton, bah, il peut aussi se tromper puis manger un petit plastique. Donc le problème, c'est que après, bah, ce petit plastique, bah, nous, on peut le manger. Et puis même le poisson, ça lui fait pas du bien. Donc en fait, avec Tara, on essaye de comprendre quel plastique on retrouve dans l'eau, quel impact ça a sur les animaux, sur nous. Bon bah à bientôt capitaine. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu? Les microscopes, le plancton, le plancton, la cuisine. Pourquoi c'est important de protéger la planète? Parce que sinon elle va mourir. Elle va mourir. Et la planète va les se poissons, ils vont avaler du plastique et ils vont mourir. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour arrêter de la planète. Arrêtez le plastique.